Bonjour, bonsoir. Les cartes sont prêtes. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Tiens, je le vois là, le petit oracle des sons. Là, on commence un petit message. J'entends justement les oiseaux au loin. Le chant de la lune. La lune vous invite à incarner pleinement votre féminin, votre part sauvage, sacrée et aérienne, et à danser, telle une louve, sous sa lumière enveloppante. La lune, c'est écouter son intuition, ses ressentis, et foncer, écouter son âme, vivre dans l'instant. Et elle nous demande parfois d'aller au plus profond de nous, dans les profondeurs, afin de mieux comprendre. Justement, la guérison de l'âme, voilà ce que j'ai pêché de Luc Baudin. J'ai laissé à l'étage dans le bureau, mais je trouvais que cette phrase était magnifique. Ces phrases. Donc je vous les partage. Voilà. Ce n'est pas une lutte, c'est un apprentissage. Mais je trouve cet apprentissage difficile de comprendre afin de vivre mieux l'instant. C'est pas facile. Alors, l'oracle de l'âme intuitive. Ben oui, la porte est ouverte. C'est parti mon kiki, avec une colombe. Puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans ses convictions. Donc, l'on vous suggère de rester centré. Centrer sur ce que vous voulez vraiment. Quittez les peurs définitivement. Écoutez la voix de votre âme, justement, puisqu'on a le chant de la lune et l'âme. Et je vois le mot changement. Le changement n'est pas une punition. Le changement, c'est de quitter les peurs et d'échanger des opinions, des idées. Afin de mieux nous comprendre ensemble. Et de partager, j'ai eu ce matin le 4 de denier, qui peut être, je suis bien, d'être bien financièrement, d'être bien dans son corps, ou d'acquérir une certaine stabilité. Et là, je vois un écusson de comprendre les manques, nos manques du passé, nos peurs, d'aller de l'avant. Et ce 2 d'épée, afin de s'épanouir, c'est ici ne pas être contradictoire et rester fidèle à ses convictions. Quelles sont vos convictions profondes? Et je vais vous dire... Imaginez que vous avez 90, 95 ans et vous allez mourir seul. Vous allez partir vers d'autres cieux, dans le monde parallèle. On ne vous oubliera pas, ne vous tracassez pas. Parce qu'on va évoluer de plus en plus ensemble et comprendre justement que l'âme est éternelle pour ceux qui en doutent encore. Et là, c'est fini. On est à la fin du jeu. À la fin de l'expérience sur Terre. Et évaluer la situation. Voilà, à partir de maintenant jusqu'à 90, 95 ans. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire ici et maintenant qui vous mettrait en joie? Et qu'à la fin, vous vous dites, dans l'instant, à 90, vous vous dites, ici et maintenant, je m'en vais. Est-ce que je suis fière de moi? Est-ce que j'ai réalisé mon rêve? Quel est votre rêve? Qu'est-ce qui fait vibrer vos tripes, votre cœur?
C'est pour ça que on vous demande de rester fidèle à vous-même et déterminé. Richesse, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Eh bien, quel est votre plus grand trésor? Quel est votre trèfle à quatre feuilles? Kiss in God we trust. Eh bien, je vois la liberté. La liberté d'être. La liberté d'avancer sans tourment, sans lutte, avec fluidité, en vous reconnectant à votre âme et à vos désirs les plus profonds. N'est-ce pas cela la vraie richesse? Déception, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Ici, là, pourquoi êtes-vous déçu? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous voulez changer? Pourquoi êtes-vous accablé? Quelle est la richesse en vous que vous n'exploitez pas? La liberté d'être soi. La liberté d'être, de suivre le chemin de votre âme. Quel est-il? Quelle est votre mission de cœur? Donc je ne parle pas... Oui. Non, non, voilà, je reprends nous entend. Oh oui. J'ai été médecin. J'ai été riche. J'ai été... Et là, à la fin, je suis une âme. Je suis une âme. Je suis en paix. Eh bien, dès maintenant, décidez d'être en paix, en liberté, dans l'amour, dans la paix intérieure. Et là, je vois encore, ce n'est pas une lutte, c'est un apprentissage de chaque instant qui vous permet, ici, de vous retrouver et de vous reconnecter à vous. De quitter les tourments, d'avancer avec confiance, tout simplement la réalisation de notre être, liberté de l'âme, être soi-même et abandonner les liens du passé. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous ferait danser, être fier de vous? Quel est votre rêve? Suivez votre guidance. Et de nouveau, on voit la lune. Ça demande une profonde introspection. Mais là, l'amour, regardez comme elle est bien. Sauver un animal. J'avais... Oh, ben je l'ai ici. Je vais vous montrer. J'en étais encore malade, moi. Je regardais un magazine quelconque télé. Et il y avait, je vais vous montrer, excusez-moi, voilà, ben je l'ai, regardez, pas la madame, le regard de l'animal. Pourquoi tant de souffrance? Il est là, pourquoi tant de souffrance ici? On peut s'entraider, se reconnecter au tout, à nous tous, aux animaux, je vois mon chat là, aux animaux, à la nature. Danser avec les oiseaux, ils sont autour de moi, je les entends. Eh bien, dansons ensemble. Quittez, surtout, pas de regrets. Quittez la déception, les tourments, relaxez. Que je dois faire. La vérité est en toi. Et dans les pierres, les plantes naissent toujours.
C'est cyclique. La nature, elle, est là. Une bonne pensée pour vous. Il n'existe pas une seule réalité, mais des millions de réalités parallèles qui coexistent à cet instant précis de votre vie. C'est cette carte de 2 d'épée. 2, contradiction, que choisis-tu? Quelle, dans ta vie, quelle est la réalité que tu veux pour toi? À chaque seconde, en sélectionnant vos pensées, vous faites le choix de basculer de l'une à l'autre. Et à chaque fois, vous changez le cours de votre destin, sans même vous en rendre compte. Bof ? Ouais ! Parce que tu suis tes rêves. Oh ben, allez. Aurore, avec ses belles peintures. Une carte. Le deuxième chat passe. Le noir. J'en ai 4, c'est beaucoup. Bah écoutez, je vais essayer. Il est 9, donc je vais essayer. Le vide. Le vide, c'est ça. On fait le vide. Voilà. Être dans l'émotionnel. Ici. Se mentir à soi-même. Rallume. Rallumez, je dis. Tu ou vous. Rallume la lumière. Regardez là. Rallume, oh, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Rallumez, soyez fort. Et parfois, je vois ici la perte au niveau financier. Donc, quand on revoit sa vie, ben, c'est une bénédiction qui vous permet une perte de quelqu'un, on a compris, ou une perte de matériel, vous fait prendre conscience de ce que vous voulez vraiment. Et voilà, la solidité. Qu'est-ce que vous voulez ancrer là? Quelle page devez-vous tourner pour avoir cette liberté? Vous êtes protégé dans votre projet. Continuez. Une seule pensée permet de changer le cours de votre vie. Ouh, c'est fort. Une seule pensée. Tournez la page et je vais prendre le petit livret d'Aurore là. Voilà, j'ai encore mis les livrets, mais voilà. J'avais changé de page, je m'étais mise au soleil, mais j'avais le soleil dans l'œil, c'était bof, bof. Et alors mettre des lunettes de soleil, non, vous ne voulez pas. Faire confiance au processus de la vie. Faites-vous confiance. Voyez combien vous êtes bien plus solide que vous ne le pensez. Pouvoir de la pensée. 33. Par moments, vous pouvez vous sentir triste ou esseulé. Vous avez l'impression qu'une page se tourne et que c'est la fin du livre. Par moments, vous retrouvez la joie et l'espoir en vous disant que c'est peut-être seulement la fin d'un chapitre et non du livre. Quelle que soit la fin de la phase que vous traversez, acceptez le deuil que celle-ci vous propose. Toute avancée demande une transformation. Lorsque vous faites un pas en avant, vous êtes obligé de vous désaxer pour passer le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Chaque pied doit faire le deuil du poids qu'il porte. La situation que vous vivez oscille entre un soulagement et un fardeau. C'est encore à nouveau ce 2 d'épée. Acceptez de vivre les deux. Vous verrez l'équilibre qu'il y a entre chaque sensation. Elles ont chacune quelque chose à vous apprendre. Ce n'est pas parce que quelque chose se termine que cela est définitif. Parfois, les choses prennent des formes différentes. Dans la vie, tout se transforme. Une fleur se fane, elle vient se déposer dans la terre et finit par repousser, comme je vous ai expliqué ici sur cette carte. Le vent la porte jusqu'à un arbre, elle repousse à cet endroit. De nouveaux horizons s'ouvrent à vous. S'offre, elle a dit. Vous le verrez bientôt. Laissez-vous faner de l'intérieur et vous verrez que de grandes avancées, de grandes victoires arriveront à vous. Ne perdez pas espoir. Tout arrive. Tout est devant vous.
vous allez bientôt vous en apercevoir. Magnifique. Waouh ! Super ! Et alors là, c'est... Là, puis je prends celui-là peut-être. Alors, encore ce 4, le revoilà. Ne restez pas sur vos acquis précédents. On avance, on quitte le vide avec force et détermination. Et regardez là, quand on suit ses convictions, elle est bien assise en paix, comme je viens de vous dire. N'est-ce pas la plus grande des richesses ? Je vais prendre l'autre. Non, encore celui-là. La solidité. De quitter le vide et l'émotionnel. Et la solidité, c'est de tourner la page du passé. Et là, on voit cette fameuse justice. Rétablir un équilibre. Dans votre vie. Et 3 de coupe. C'est la création d'un nouveau projet, de cœur, amical, d'amour, ou un projet de choix de vie. J'aurais dû dire de choix de vie, quel qu'il soit. Elles sont tournées vers les étoiles. Donc, c'est vraiment tourner la page et s'offrir au changement qui vous apporte la liberté d'être. C'est vraiment ne pas se replier sur ses acquis, comme je vois ici, là. On tourne la page de l'ancienne ville et on va vers une autre ville, un autre travail, un autre objectif. Voilà, c'est vraiment... Écoutez votre intuition, écoutez-vous, les yeux fermés et les yeux ouverts, avec la croix là. Il y a une lune sur sa tête, écoutez. Et là, regardez, ce cavalier de bâton, il va vers une nouvelle vie, un nouveau job, une nouvelle activité, quelque chose qui vous attire vraiment très fort, qui vous permet de retrouver de la force. Dites ce que vous voulez vraiment. Osez. Alors là, osez, c'est sale bête ici. 6 heures du matin, après leur maman, c'est pas possible, hein. Oh là là, et assumez-vous, hein, assumez-vous, arrêtez, hein. Non, oh là là, c'est les trois bébés qui étaient nés, là, que j'ai vu la naissance il y a quelques semaines. Oh là là, assumez-vous. Et là, on voit diverses opinions, diverses personnes qui se tournent le dos. Eh bien, vous, tournez la page et allez vers ce qui vous convient. Voilà. La force est en toi. Projet de cœur. Décider. Avec conviction. On n'a pas besoin des autres pour décider. Personne. Libérez-vous. Voudra celui-là. Allez, l'étoile. Étoile des neiges. Cette épée, voilà, c'est toutes ces blessures, ce conflit mental. Et là, on voit une pie qui vole. La reconnexion à son âme, à son moi profond, à soi-même, c'est être là et imaginer que vous n'avez plus ce corps. Eh bien, la vibration intérieure, écoutez justement
votre âme, la vibration intérieure. J'ai lu dans... Il est là derrière. Au soleil. Je suis en train de lire ce livre qui est bouleversant pour moi, La Nouvelle Terre. Et je l'ai pris à la bibliothèque hier. Et il explique qu'on a volé une bague à une dame. Et elle est bouleversée, elle accuse une femme d'ouvrage, de ménage, de lui avoir volé. Et il lui demande, pourquoi est-ce que ça a tant d'importance pour toi, ce matériel, cette bague ? Elle dit parce que c'est à ma maman, c'est à ma grand-mère. Justement, c'est ça l'important. C'est ça le plus fort. Ma maman a été très malade. Elle a perdu la tête, elle a été internée pendant plus de 20 ans. Et un jour, elle a dit à mes frères et moi, j'ai rêvé, elle était sous médicaments, elle a subi des atrocités. On n'est nulle part dans le mental, je trouve que les... Enfin bon, c'est un autre sujet. Et elle nous a dit, oh, vous allez perdre votre maison, quelle catastrophe. Alors que elle n'avait plus rien. Qu'une valise, elle n'avait plus rien. Qu'elle-même, et elle-même, c'était des sombres pensées. D'un amour perdu, parce qu'elle ne s'aimait pas elle-même. Quelle leçon. Et quelquefois, en allant la voir, je tiens la plus rien. Un jour, je lui avais offert du parfum, on lui a volé tout de suite. Mais la plus grande détresse, c'est la perte de son âme. Elle avait donné sa vie entre les mains des autres, d'un homme, et ensuite du corps médical. Et c'est ça la plus grande perte. C'est ça la perte de liberté de ma maman. Et vous avez le choix de la retrouver. Ce 7 de coupe, vous avez le choix de vivre vos passions sur terre, de suivre votre instinct. Oh ben voilà, je prends voilà mon instinct, la nouvelle terre. Et j'aimerais bien une parce que le texte est très difficile. Je trouve que les cartes sont très très difficiles. Une seule. Mais... Une. Non mais, une. Non. Et là, j'ai plus de place pour les étaler. Eh bien, je fais le choix. J'arrive. Je fais le choix de les étaler. Et d'en prendre une. La voilà. Lorsqu'un humain a acquis un certain degré de présence à ce qui est maintenant, une attention vigilante mais quiète dans ses perceptions, il peut percevoir l'essence de la vie divine, ce que ma maman avait perdu. Ne remettez pas votre vie dans les mains d'autrui. La conscience ou l'esprit unique émanant de chaque créature et de chaque forme de vie et la reconnaître comme faisant qu'une avec sa propre essence. Nous sommes tous un. Nous sommes là pour nous entraider, nous aider. Ainsi, il peut l'aimer comme il s'aime lui-même. Et comme c'est difficile, je vais vous demander de le relire, si vous le souhaitez, pour vous imprégner de chaque mot. Chaque vie est importante. La nouvelle terre, comme ce que je viens de vous montrer, ce pauvre King Kong qu'on assassinait. Chaque vie est importante. Je regarde si j'ai pris les cartes
Et alors, j'ai ici, l'oracle de la nuit. Encore la lune. En fait, je vais aller en haut, j'ai pris les cartes comme ça, j'adore. Tac, 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 je prends les paquets. Voilà. Oh, c'est... Mais écoutez, il y en a plein qui tombent, j'ai du mal, hein. Je me concentre. La vie n'est pas une lutte. La voilà. La fée bleue. Elle ouvre ses ailes. N'oubliez pas de respirer, accueillir l'instant, afin de fleurir. Quitter les tourments et accueillir l'instant. La reconnexion à vous-même, à vos désirs. 27. J'adore. Quand on brille sa bonne étoile, réjouis-toi. Tes souhaits sont sur le point de se réaliser. Tu t'es battu vaillamment et tes efforts vont être récompensés. J'apparais en bon présage pour te dire que ton rêve va devenir une réalité. Et à 90 ans, vous vous tournerez vers le passé en disant « J'ai été libre. J'ai quitté les peurs et la vraie richesse, c'est la liberté. » Je ne vous ai pas dit, l'oracle des chakras. Voilà. Eh bien, magnifique. De vivre sa passion. Vivez votre vie. Le cœur. Waouh. Superbe. Je vais prendre mes petites cartes. Les héros, c'est nous. Oh ben. Ah, lire avec les animaux. Elle est bien, là. Ah oui, là, je ferme les yeux parce qu'elles sont tournées dans tous les sens. Voilà. Encore un animal. Et lui, s'amuse. Voilà, vide émotionnel. Mais non. On quitte le vide émotionnel et on s'amuse. Doum, 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 on saute. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux. Alors le matin, on va chercher son pain. Nanana. Solidité, justement. On est bien. Notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quelle est l'idée du jour pour vous? Tournez la page. Ouh, dictateur, qui vous dicte ce que vous avez à faire? Réfléchissez dans nos vies à tous. Qui est comme ça dans votre vie? Qui vous vole votre vie? Tournez la page. On ne manquera jamais de rien. Ayez la forgueille content, lui moins. Quand on se reconnecte à son âme et qu'on décide de guérir, d'aller de l'avant, et là, la transformation. Et c'est un zombie. C'est un zombie. Eh bien, ne soyez pas le vide, l'émotionnel. Voilà. On quitte cet état de zombie. Ah ben, il sort du cercueil. Il sort et il y a des fées. On dirait qu'il y a des petites fées, des petits fantômes. On sort, voilà. On est entouré de défunts ici. Les voilà.
on sort et on brille. On sort des conflits intérieurs. On sort des gens qui nous dictent ce que l'on doit faire. Suivez votre idée. Même si comme Gaston Lagaffe, vous faites des gaffes, il y a papillon qui passe, ce n'est pas grave. Alors, établissez un plan. Bougez sur un petit nuage rose. Inspiration, voilà. Être inspiré, c'est suivre ses rêves. Allez, sur un petit nuage rose. Magnifique. Je vous embrasse, je crois que c'est fini. Et vous, connaissez la direction à prendre. Il y a de nouveau un chat. Youpi! Quelle est la direction? Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!